aux côtés de Didier Brouillet pour évoquer les chances d'Amardo qui reste sur deux sorties encourageantes. Ouais, c'est vrai que les deux dernières fois c'était nettement mieux. Il nous a rassuré un peu parce que cet été il nous a fait des petites blagues. Ça peut lui arriver encore même. Bon, surtout à l'attelage parce qu'on autre montée il a l'air peut-être un petit peu plus sûr. Ouais, mais au monté il a du mal à porter le bonhomme, donc l'hiver dernier c'était pas terrible, donc on l'a remis à l'attelage. On va voir là, il affronte les jeunes, mais au travail il est resté bien et ses deux dernières pertes sont bonnes. Et dans la foulée l'engagement est très correct au premier échelon. Bah voilà, ouais, il est juste à la limite, donc on se laisse tenter par le bon engagement. Et vous faites appel à votre pilote fétiche, Yann Le Bourgeois? Bon, oui. Il a un ton au-dessus de moi, donc pas de souci là-dessus. Il va mieux le démarrer, et donc ça fait partie de ses bonnes facettes. Donc, bon, il y a quelques choix de qualité quand même. Tout à fait, oui, non, il n'a pas une première chance. Il y a des jeunes, même il y a des bons choix 25 mètres, donc faut que ça se passe bien. S'il peut avoir un bon parcours, il peut faire une petite place.